Nate's night off. Why? What do you mean, why? Nobody's here, that's why. I gave everyone the night off. Easy, it's an innocent question. No question from you is innocent, Mr. Gittes. I guess you're right. To you, Mrs. Mulray. Frankly, tonight you saved my... You saved my neck. Tell me, Mr. Gittes, does this often happen to you? What's that? Well, I'm judging only on the basis of one afternoon and an evening, but if this is how you go about your work, I'd say you'd be lucky to get through a whole day. Actually, this hasn't happened to me for a long time. When was the last time? Why? It's an innocent question. In Chinatown. What were you doing there? Working for the district attorney. Doing what? As little as possible. The district attorney gives his men advice like that. They do in Chinatown. Tandy. Hi. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Dieu de bordel de merde! Oh, tu m'entailles! Tu m'en fous! Oh, je suis fou! Oh, trop le oh, ton cul! C'est mon génie! Oh. Hold it. Hello, Claude. Where'd you get the midget? You're a very nosy fellow, kitty cat, huh? You know what happens to nosy fellows? Huh? No? Wanna guess? Huh? No? Okay. They lose their noses. Next time you lose the whole thing. Cut it off and feed it to my goldfish. Understand? Understand? I understand, Gil. I understand. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui nous accueille dans les studios bis de Canal B, à savoir sa salle à manger. Merci encore une fois de nous accueillir dans cette splendide salle à manger. You're welcome. Pour une émission un peu particulière que nous aurions aimé faire et peut-être un poil avant pour la réouverture des salles. Une émission consacrée à des livres, des livres où il y a plus de cinéma dedans que beaucoup de films qu'on a vu dernièrement, en tout cas en ce qui me concerne, même si on a vu des belles choses. Pas moi. Je ne dis pas le contraire. Mais voilà, des belles choses à avoir entre les mains, je pense, pour l'été qui arrive. Sans faire de surprise, je vais annoncer tout de suite les deux gros machins dont on va causer. Le premier, ça sera les mémoires de Richard Fleischer qui ont enfin été traduites chez Marest Édition. On y reviendra plutôt à la fin de cette émission. Le cœur de cette émission, ça sera The Big Goodbye, Chinatown et les dernières années d'Hollywood. Je lis ça parce que le livre est devant moi et ça le titre est assez long quand même, de Sam Wasson, je le dis avec l'accent breton bien évidemment, mais c'est un américain malgré tout, édité chez Carlotta, donc qui se met dans l'édition de gros livres, un livre assez récent pour le coup lui, qui revient donc comme son titre l'a dit. Qui, si ça se trouve, n'est même pas encore sorti à l'heure où on enregistre en tout cas. Oui, mais bon, ça va mais sortir. Mais nous, on est des stars, donc on mais a les si, je crois justement que c'est sorti aujourd'hui, le jour où nous enregistrons, qui revient donc comme son titre l'indique, sur les dessous de Chinatown, sur la création de ce film de Roman Polanski. Ça, on va revenir là-dessus. Très ravi.
très rapidement. Histoire de rester justement dans le politiquement correct, un petit conseil, premier petit conseil lecture pour la plage peut-être cet été, ou si vous avez une maison à la campagne, ne pas hésiter à ramener le dernier roman de Craig Zeller. Craig Zeller dont on a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, notamment parce que son dernier film était avec Mel Gibson et qu'en plus c'était super, ce qui fait du bien dans la filmographie récente de Mel Gibson. Et comme on l'avait dit lors de cette émission, c'est aussi donc c'est un cinéaste, c'est aussi un romancier, en plus d'être aussi un métalleux. Et aussi un musicien de soul. Voilà, je crois. Il fait pas mal et de choses. Il fait de la BD aussi. Ah oui, ouais. C'est vraiment, ce type est incroyable. Je crois qu'il est cuisinier aussi. Non, mais de toute façon, il est, j'apprécie énormément cet homme, même s'il est d'extrême droite. le fait est que, comme on l'avait dit dans cette présentation, donc il y a trois romans qui avaient déjà été traduits chez Gallmeister, hein, les trois. Le quatrième, c'est encore chez eux d'ailleurs qu'il est traduit. Ça s'appelle Dédale mortel. Alors le titre donne pas forcément envie, comme ça, pour moi qui suis pas forcément un féru de la série noire, ça pourrait rappeler peut-être ce genre de titre. Le titre original correspond grosso modo à ça, hein, c'est pas vraiment mal traduit ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le livre en lui-même, je pense, est très très bien traduit, c'est pour ça qu'il est aussi prenant. Et comme je l'avais dit, c'est le premier bouquin que j'avais lu de Zeller, Exécution à Victory, m'avait particulièrement surpris. Je m'attendais pas, en fait, de sa part, parce que j'étais pas fan de ses premiers films forcément, enfin de son premier film, pas du deuxième, mais un bouquin qui me prenne autant aux tripes. J'avais même versé ma petite larme, je crois, pendant la lecture de Exécution à Victory, qui était déjà extrêmement violent, hein, comme son cinéma, ses livres le sont. Ou même encore plus, sans doute. Le deuxième que j'avais lu, c'était une assemblée de chacals, donc un western qui, pareil, allait assez loin dans la cruauté. Très, 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 très loin. Mais je reviendrai là-dessus. Je ne vais pas déflorer, absolument pas du tout déflorer ce qui se passe dans Dédale mortel. J'ai moi-même pris un vrai plaisir à le lire, et ça faisait très longtemps, face à une fiction, que je ne m'étais pas laissé entraîner comme ça par un film, par un livre, sans même lire la quatrième de couverture. Je ne voulais pas du tout savoir qui était, par exemple, le personnage principal. C'est quelque chose qui m'avait plu déjà dans son cinéma, qui continue de me plaire dans ses romans, à savoir qu'il apporte autant d'importance à son personnage principal qu'au personnage secondaire, mais il y a tellement d'importance justement accordée à ces personnages secondaires, à n'importe quel personnage en fait, qu'on s'attache entre guillemets à tout le monde, et que justement cette violence ou cette cruauté ou n'importe quelle d'ailleurs action qui va se passer dans le récit va prendre une dimension très forte en termes d'émotion. Et ça me plaît vachement en fait. En plus de ça, il a une écriture qui est évidemment extrêmement efficace. On est accro très très vite, moi, dès la scène d'intro, parce que c'est vraiment une... Je parle de scène parce que c'est vrai que moi j'avais des images, c'était l'un des bouquins les plus cinématographiques. C'est un terme qui est mal employé très régulièrement. Moi, c'est vrai qu'avec Stephen King, j'avais eu ça, parce que très vite j'ai des plans, j'ai des durées de plans qui s'installent quand je lis le bouquin. Et avec Zeller, j'ai eu ça énormément à la lecture de Dédale mortel. Et dès la première scène, voilà, un suspense qui s'installe, des personnages, quelque chose, une ambiance très particulière, et cracra, hein, évidemment, mais voilà. Donc je voulais rentrer dans le bouquin sans rien savoir, et je conseille à tout le monde de faire ça, de se jeter dessus sans rien savoir. Donc je vais pas rentrer là-dedans, puisque je sais que tu l'as pas terminé. J'ai pas eu la même surprise qu'avec les précédents bouquins, forcément, parce que je savais un petit peu le talent d'écriture qu'il pouvait avoir, et puis même si ses constructions sont toujours très très habiles et qu'il arrive à me surprendre dans son récit et dans l'évolution de ses personnages. Et je me suis encore fait avoir plus d'une fois avec Dédale mortel. J'ai pas eu la petite larme qui coule parce que maintenant je sais qu'à n'importe lequel de ces personnages, il peut arriver un malheur, il peut arriver des choses terribles. Et je sais aussi que je peux m'attacher à n'importe lequel de ces personnages, même le pire enfoiré, parce que c'est vraiment un concentré d'enfoirés et de gens qui font de la merde dans son bouquin. Et je trouve ça brillant justement de parvenir moi à m'attache à ce point à des gens qui vraiment sont merdeux, quoi. Moi je suis, comme tu l'as dit, je suis en plein dedans, et tout comme toi, j'ai lu les deux exacts mêmes bouquins de Zeller qui m'avaient tous les deux extrêmement plu. Et qui m'intéresse vachement aussi, alors sans être déjà un grand lecteur, parce que moi en général j'attends que les bouquins soient adaptés au cinéma. Évidemment.
comme tout le monde, quoi. Mais en fait, ça m'intéresse vachement ce truc que je retrouve aussi dans son cinéma, qui l'a fait aussi se faire rapprocher un peu de Tarantino aussi, parce que voilà, Bone Tomahawk était sorti en même temps que Les 8 Salopards. Et ce pourquoi moi, j'avais pas vu Bone Tomahawk, parce que je me suis dit, bon, à chaque fois qu'il y a Tarantino qui sort un film, il va y avoir 10 DTV, direct to video qui vont arriver, qui vont être dans la lignée. Je me suis dit, ça, c'est un de plus. Et au final, non, c'était un film hyper intéressant. Mais effectivement, qu'on peut rapprocher de Tarantino dans une sorte d'aspect extrêmement ludique qu'il peut y avoir par rapport au genre. Et c'est un aspect, cet aspect très, très ludique, très ancré dans le genre qu'il y a dans son cinéma, qui le fait de façon assez différente de Tarantino. Si on peut les rapprocher, c'est peut-être pour un goût assez voisin pour le dialogue, quelque part. Mais oui, par contre, une forme de violence, mais le rapport au personnage n'est pas le même. Oui, pas le même. Mais par contre, il y a un rapport aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est ce côté très ancré dans le genre, très ludique par rapport au genre, très gourmand par rapport à une certaine beaucoup de d'archétypes, de figures de style cinématographique et en termes littéraires pour parler de ses bouquins, très gourmand par rapport à une sorte de d'univers. Pourrait le faire se ranger du côté des cinéastes un petit peu qui filment le cinéma, et en termes de littérature, un pur littérateur qui fait du style pour le style. Mais au final, comme tu l'as dit, ça devient très rapidement extrêmement, enfin, il arrive, malgré tout ce côté très ludique et très, très formaliste quelque part, à rendre un côté extrêmement humain. Et c'est vrai que sa littérature, elle est extrêmement travaillée, je trouve. Enfin, vraiment, par exemple, on est à l'antithèse d'une écriture sec, à mon avis, quoi. On est vraiment dans une écriture qui est au contraire bourrée de figures de style, bourrée de différentes, toutes les figures de style. Il faudrait vraiment, je me rappelle qu'on appelait ça, on apprenait ça au lycée, de toutes les périphrases, les machins, tous les machins. Il y a tout ça chez ça crée l'humour, c'est bourré d'humour, c'est très drôle, et c'est jamais dans une sorte de sécheresse telle qu'on peut la trouver chez d'autres écrivains de romans noirs. Et pourtant, malgré tout cet humour et ce côté très ludique, ouais, effectivement, et les personnages arrivent à complètement exister. Et moi, je sais que c'était ce que j'avais complètement ressenti dans Brawl in Cell Block 99, qui marque ma rencontre avec vraiment S. Craig Zahler. Ce côté, d'un coup, tu te dis, bah putain, t'as vu un des films de genre ultime, de pure générosité, et en même temps tu te dis, mais c'est incroyable, il y a les personnages, en plus d'être une putain de nouvelle image d'un mec, une vraie apparition de cinéma d'un personnage qui te défonce des gueules, et pour ton grand plaisir de spectateur, de cinéphile déviant, et ben en plus t'as une vraie portrait d'un personnage assez complexe, quoi. Et dans sa littérature on retrouve ça, et d'ailleurs tu peux sortir parce que j'ai envie de continuer de lire des Dalles Mortelles. Mais je vais pas, en toute façon, voilà, déflorer quoi que ce soit, mais c'est vrai que, voilà, pour terminer là-dessus, je pense que c'est sa grande force, et c'est ce qui lui avait pourtant reproché, je pense, même avec Drag the Cross Concrete, notamment la séquence avec Jennifer un personnage secondaire qui a le droit à une scène d'un quart d'heure en plein milieu du film, voilà, et puis qui disparaîtra, mais d'un coup, voilà, c'est un personnage secondaire qui prend toute la place, et une grosse place. Mais je pense que c'est vraiment, c'est pas pour faire son petit malin qu'il fait ça, et c'est en lisant ses romans aussi que j'avais bien remarqué ça, c'est que vraiment il a compris que ce qui est le plus important, tu peux avoir les meilleures idées en termes d'intrigue, en termes de séquences de torture, parce qu'il y en a quelques-unes quand même, hein, en termes de n'importe quoi, si le spectateur ou le lecteur n'est pas attaché, ne comprend pas le personnage, n'a pas de connexion avec le personnage, ça servira à rien, t'auras écrit un petit peu un truc dans le vent, quoi. Et donc ce qui va primer avant tout, en fait, ce qui prendra le plus de place, c'est les personnages, constamment, en fait, ouais. Et leur histoire, leur connexion, pas forcément leur passif, parce que du coup on a que quelques détails régulièrement sur ce qu'ils ont vécu avant, mais il parvient, sans avoir justement à faire une biographie détaillée du moindre personnage, juste en montrant leur vécu, leur quotidien, en fait, à faire en sorte que le lecteur ou le spectateur comprenne et adhère, entre guillemets, enfin adhère, non pas adhère, mais
mais une connexion avec ce personnage. Et à partir de là, en effet, il va pouvoir déployer toute sa violence ou toute sa générosité, parce qu'il y a des séquences aussi qui sont très belles, des séquences d'amour, de sexe, qui d'un coup, en fait, sont extrêmement chaleureuses, des rapports de copinage. Il y a une relation de copinage dans Des Dalles Mortelles que je trouve magnifique, en fait. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et puis, il a ce talent qui fait que tu as envie de tourner les pages pour absolument lire ce qui arrive après. Donc, je le conseille vraiment très très chaudement chez Gallmeister, la sortie de Des Dalles Mortelles de Craig Zeller, son nouveau roman, et puis d'aller jeter quand même un coup d'œil au précédent, et puis de regarder évidemment ces trois longs métrages pour le moment, en attendant avec impatience qu'il en sorte un prochain. On va passer, on a un petit extrait d'ailleurs avant de Drag the Cross Concrete, et puis juste après, on parlera de The Big Goodbye qui sort chez Carlotta. There's an issue with the bus you two made this morning. Who's complaining? Civilian saw you out on the fire escape. Vasquez was armed and a threat. We did what There's was... a video. You've seen it? I have. It's not terrible. Certainly could be much, much better. Sound as shit. Civilian was too far away to get anything intelligible. That helps us. Who tipped you off? I contacted Channel 7. Anchovies. When's it airing? 6:00. You'll survive. Though, I think it'll end our current discussions about raises and promotions. Anchovies. We didn't give Vasquez that much cast iron. It was mostly me, Anthony. You gave him plenty. Mr. Lurisetti's in that video, too. Smiling like a yearbook picture when you put your foot on that hombre's cabeza. Our inspector, our Mexican-American inspector, isn't likely to be lenient. Though your productivity is exemplary and it'll keep you from losing your badges. Politics, like always. Like cell phones, just as annoying. Politics are everywhere. Being branded a racist in today's public forum is like being accused of communism in the 50s. Whether it's a possibly offensive remark made in a private phone call or the indelicate treatment of a minority who sells drugs to children, the entertainment industry, formerly known as the news, needs villains. There's certainly nothing hypocritical about the media handling every perceived intolerance with complete and utter intolerance. It's bullshit. But it's reality. I'm not racist. Every Martin Luther King Day, I order a cup of duck roast. C'est un plaisir d'entendre notamment Mel Gibson, mais pas que, dans cet extrait de Drag the Cross Concrete de Craig Zeller. Tout de suite, nous parlons de The Big Goodbye, le livre de Sam Wasson qui a été donc traduit par Carlotta chez nous. C'est un plaisir. Ouais, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'est un bouquin assez récent et donc du coup qui a droit à une traduction. On sait que la littérature de cinéma, c'est pas non plus ce qui se vend le plus. Donc c'est vraiment, merci Carlotta. Moi, c'est vraiment un des meilleurs bouquins de cinéma que j'ai lu depuis longtemps. C'est vraiment de la littérature de vraiment à l'américaine, c'est-à-dire qui est de ce qu'ils appellent un petit peu de la non-fiction, mais nous en tant que Français, on se dit putain c'est génial, les Américains ils y vont, ils racontent une histoire à base de faits, mais ils n'hésitent pas à extrapoler et à partir dans un côté extrêmement romanesque, alors que nous on est en général relativement un peu timide avec ça, à part chez certains auteurs dont Philippe Garnier, dont ils ont l'histoire aussi qui va, ils ont l'histoire qui vont avec ce truc romanesque. Oui, complètement. Donc on a affaire à un gros bouquin qui revient sur la fabrication de Chinatown et à travers quatre de ses protagonistes principaux, c'est-à-dire évidemment Polanski, mais également Robert Towne, son scénariste, Robert Evans, son producteur, et Jack Nicholson, évidemment sa star. Et à travers cette élaboration, enfin ce récit de la du
du montage scénaristique, du montage financier, du tournage, de la réception et de ce qui va s'en suivre après, se dresse évidemment un portrait de l'Hollywood des années de la fin des années 60 à l'Hollywood des années 70 jusqu'à l'Hollywood des années 80 qui vont débouler. Le livre dont ça pourrait se rapprocher le plus dans cette façon de vouloir raconter cette période de l'histoire des États-Unis, du cinéma américain, sur un mode vraiment comme ça, très attentif à l'intimité de ses protagonistes. Et tout en les en étant dans un truc un petit peu gossip total et ce côté un petit peu très élégiaque, ça serait évidemment le film, le bouquin de Peter Biskin extrêmement connu qui s'appelle Le Nouvel Hollywood, Easy Rider Raging Bull, ça il me semble en anglais, qui est vraiment une sorte de bouquin assez malhonnête mais assez génial à lire aussi, qui où Peter Biskin voilà manipule cette thèse toujours un peu délicate et en même temps assez chouette de dire que voilà ce rêve qu'ont vécu tous ces cinéastes là dans les années 70, parce c'est cette sorte de réalisation ultime de ce mariage incroyable qui a pu avoir dans les années 70 entre des auteurs absolument complètement biberonnés un petit peu au cinéma d'auteur européen, vont réussir à intégrer le système et comment voilà, ils ont été complètement phagocytés par le pouvoir de l'argent et par Spielberg et Lucas qui vont mettre fin à ce règne qui a été de courte durée mais qui a donné d'immenses chefs-d'œuvre. On retrouve un petit peu de cette thèse-là, de façon, je trouve, déjà beaucoup mieux écrit que dans le Nouvel Hollywood et qui vraiment absolument passionnant, enfin qui se lit de toute façon exactement comme un roman noir quasiment, quoi. Il y a quelques distinctions très notables par rapport au bouquin de Biskin quand même, qui justement accumulait énormément de personnages, de mini-portraits évidemment il y avait beaucoup de gens dont il voulait parler Biskin. Là du coup, le fait de se concentrer sur quatre personnages autour d'un projet commun, c'est-à-dire que la façon dont il fonctionne, c'est comment grosso modo ces quatre bonhommes arrivent sur le projet, comment ils vont tous ensemble essayer de travailler sur ce projet, et ce que ça va donner, et de vraiment rentrer concrètement dans la fabrication. Complètement, ouais. Et en fait, disons que là où le Biskin, de toute façon, le principal reproche, que c'est un film, enfin un bouquin, moi, que j'aime bien, qui a été important pour moi, mais qui est clairement imminemment critiquable, mais comme tu le dis, c'est une sorte de galaxie, veut embrasser dans à peu près dans le même, quasiment le même nombre de pages que celui sur Chinatown, au moins 100 films de plus, et puis le triple de protagonistes, quoi. Évidemment, donc ça, au final, tout, on arrive sur des. On cherche des moments chocs, des trucs qui vont, un peu putassier, quand même. Complètement putassier. Acier, évidemment, et c'est une chose qu'on va beaucoup retrouver de façon beaucoup moins frappante dans ce bouquin-là, The Big Goodbye, et qui donc du coup a pour objet un film qui est finalement assez particulier quelque part, qui est Chinatown, qui est un film qui pour ma part est un film assez important parce que c'est vraiment un des films de mon adolescence, enfin un de ces films que je regardais avec mes parents à la télé parce qu'ils passaient régulièrement et qui sont une date assez importante de ma cinéphilie, parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué et qui est aussi un film assez étrange finalement dans le cadre du cinéma des années 70, parce que à la fois on est quand même dans un film qui est clairement un film purement hollywoodien, enfin quelque part. J'ai presque envie de dire que maintenant, si on veut dire c'est quoi le cinéma hollywoodien, on va dire Chinatown, c'est vraiment le film hollywoodien par excellence. Le bouquin revient un petit peu là-dessus. Par exemple, Chinatown est souvent réputé et en tout cas mis en exemple du meilleur scénario jamais écrit. Effectivement, là, le livre de Wasson va vraiment aller un peu contre cette idée, dans le sens où on sent bien que le scénario, Robert Towne a clairement, c'est lui qui est à l'origine du projet. Lui, Robert Towne est le seul
pur angélite, je crois, on dit, enfin en tout cas le pur habitant de Los Angeles parmi tous les gens qui ont participé à ce film. Et c'est lui qui a voulu à la fois faire vivre une idée de Los Angeles, et donc par extension on pourrait dire de l'Amérique, une sorte de vision à la fois hyper nostalgique, hyper rêvée d'un Los Angeles qu'il aurait connu, un Los Angeles de l'immédiate après-guerre ou de l'avant-guerre, un Los Angeles quand Los Angeles vraiment se développait, mais de façon relativement, j'ai envie de dire, à l'échelle humaine, avant d'être un petit peu gangrené par quelque chose des pouvoirs de l'argent. Et donc du coup, par extension, forcément, ça parle de cinéma. Enfin voilà, c'est Chinatown, on pourrait presque croire que la réalisation du film Chinatown obéit à la même volonté en parallèle de celle de Town de vouloir faire revivre Los Angeles, c'est-à-dire tous les gens qui sont investis là-dedans, Nicholson, Evans, Polanski, c'est de faire revivre le cinéma hollywoodien qu'ils ont oui, adoré, c'est-à-dire le film noir. Et sauf que voilà, ce qui est hyper intéressant de Chinatown, c'est de se dire qu'ils font revivre quelque chose dont ils savent très bien que ce n'a été qu'un rêve, que ce n'a jamais existé. Mais par contre, ils veulent lui donner une existence, et donc ça ne raconte que de l'histoire de croyants, et on va accéder quelque part à leur vision, mais cette vision-là va être complètement il va y avoir une sorte de verre à l'intérieur qui va montrer que cette vision là justement n'est qu'une vision et ne correspond à absolument à rien de réel. Ça ira même peut-être un poil plus loin en ce qui me concerne pour le film. J'ai toujours eu un souci avec le film, je pense que je l'ai vu beaucoup trop jeune et je n'avais rien capté au film, je comprenais pas pourquoi il était, mais j'étais vraiment beaucoup trop jeune à le revoir plus tard. J'ai toujours eu un souci avec ce film qui gardait une aura de mystère. C'est ce qui le rend passionnant aussi, évidemment, hein, c'est de se dire tiens, il y a un truc derrière tout ça qui est extrêmement problématique. Et je pense que ce qui me marque aujourd'hui le plus, c'est qu'en effet, donc il y a cette vision. Enfin, on essaye tous ces quatre personnages qui était en adoration pendant un moment, en tout cas pour cette période, pour ce cinéma des années 40 notamment, même fin des années 30, ce film noir comme tu le disais, qu'on tentait de le recréer, sauf qu'il le recrée dans les années 70 au moment où d'autres de la génération d'ailleurs refont aussi, hein, on va vers les années 30, là du coup on n'est pas du côté des gens qui sont dans la misère, mais plutôt des gens qui sont déjà un peu établis quand même dans Chinatown, c'est la différence. Bref, mais donc on est là-dedans. Et on est face à des gens, ils savent très bien que ce monde est pourri finalement. Mmh. Enfin, ils le découvrent de plus en plus dans le film notamment, hein, que ce monde dans lequel ils vivent est pourri et gangréné par tout et n'importe quoi. Ils en ont conscience. Et ce qui est le plus terrible en fait, c'est qu'ils en ont conscience, mais que la fin du film, c'est qu'on ne peut rien y faire, grosso modo. Mmh. C'est-à-dire qu'on le sait, c'est terrible, on a ce savoir, mais en fait, on ne peut rien y faire. Et ça sera comme ça, il y a cette espèce de fatalité dans le film que je trouve absolument terrifiante en fait. Ouais, qui complètement. Qui correspond à ce qu'ont vécu, notamment ce que vit Polanski, mais ce que vont vivre un petit peu. Complètement. Les autres. Enfin, c'est là où le bouquin est fascinant, parce que forcément, il va croiser des personnalités extrêmement riches du cinéma américain. Évidemment, Polanski, c'est le film qui marque son retour aux États-Unis après une petite escapade en Angleterre, suite à, évidemment à l'horreur que l'on sait de l'assassinat de Sharon Tate. Donc voilà, un film qui va se terminer sur l'assassinat d'une blonde. Chinatown, on se dit bah oui, forcément, on peut que s'investir, on peut imaginer qu'il s'est investi un petit peu émotionnellement là-dedans. Il va croiser aussi le trajet de Robert Evans, qui est une personnalité hyper intéressante du cinéma américain, qui est décédé, il me semble, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Dont il faut lire aussi les mémoires. Oui, dont le mémoire, The Kid Stein Picture, ouais. Qui a été traduit en français, je ne sais plus comment, et qui vraiment, c'est une personnalité hyper problématique, mais hyper attachante, parce que c'est un producteur, et je pense que c'est d'autant plus important de lire, de s'intéresser à ce type-là, c'est que c'est une grande figure de producteur. Et je pense que, pour ma part, je pense que dans le cinéma américain, en ce moment, que ce soit du côté de la VOD, des services de Netflix, ou du cinéma américain classique, la figure de producteur cette manière-là en tout cas manque cruellement, ouais, manque cruellement. Et Robert Evans, c'est une personnalité hyper intéressante, parce que c'est un acteur, c'est quelqu'un qui a été, au moment où les studios hollywoodiens étaient dans le marasme total, où ils ont été tous rachetés les uns après les autres par des gros consortiums, lui il a été affilié assez tôt à la Paramount, et très jeune finalement, il avait 37 ans il me semble, par Charlie Bledorn, qui est le type à la tête de Gulf and West
western, donc un mec qui était dans le pétrole, qui avait racheté la Paramount, qui est tombé sous le charme de Robert Evans et qui l'a calé en poste de producteur à la Paramount. Qui l'a laissé faire ce qu'il voulait. Qui l'a laissé faire ce qu'il voulait. Et en fait, enfin, il lui a fait confiance en tout cas. En fait. Qui lui a fait confiance et c'est quelqu'un, Robert Evans, qui effectivement est une personnalité hyper clinquante, hein, c'est un playboy, mais c'est quelqu'un qui avait une sorte d'amour de la beauté, qui a produit des films comme Le Parrain, Love Story, Rosemary's Baby, j'en passe, hein, mais voilà. Il a bossé avec Friedkin aussi. Enfin, en tout cas, il y a eu vraiment une filmographie qui est assez impressionnante quelque part. Au cours des années 70, de toute façon, sa carrière s'arrête. Ouais. Pareil à la fin des années 70, début 80, à cause d'une sombre affaire de drogue. Il s'est fait choper pour du trafic de cocaïne et puis du coup, sa carrière a sombré. Quoi. Complètement. Il est revenu plus tard dans les années 80 avec Coppola, justement, hein, le Cotton Club, des trucs comme ça. Mais bon, c'était pas. Et en tout cas, ce bouquin est vraiment génial sur le récit d'une décennie, en fait. Quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment une décennie qui est en les années 70, qui est vraiment entre deux. C'est le moment où les idéaux de ces types qui ont grandi ou qui ont vécu leurs expériences les plus fortes et leur philosophie la plus forte dans les années 60, c'est-à-dire les années frontales de la contestation, en tout cas en termes de sociétal, des gens qui ont découvert une nouvelle façon de s'exprimer par l'art, par les apports du cinéma moderne, et qui ont voulu vraiment dégommer toutes les structures hiérarchiques et morales de la société traditionnelle dans les années 60. Mais dans les années 60 encore, voilà, le cinéma n'était pas encore à cette heure-là. Et qui, ça va être entre cette décennie-là et la décennie des années 80 où il va y avoir une sorte de retour de bâton. Et le bouquin raconte très bien ça, de tous ces gens qui se sont fait de toute façon un petit peu, d'une part, corrompre par la drogue et corrompre par les puissances de l'argent. Non pas qu'ils y aient succombé par moment, mais aussi parce que les générations de producteurs se succédant, on a une nouvelle génération qui va arriver et on va avoir les Jerry Bruckheimer et Don Simpson principalement. Et aussi une autre façon d'envisager le business du cinéma, où d'un coup, le pouvoir de l'argent, Wall Street va se dire que c'est le début des films qui sortent massivement. On se dit, tiens, en fait, Hollywood, ça a toujours été riche, certes, mais d'un coup, dans cette décennie des années 70, on se rend compte qu'on peut faire de l'argent, mais énormément, en fait, et très rapidement. Chose qui n'était pas du tout le cas avant. C'est-à-dire qu'on sort les films de façon massive. Evans est en partie, entre guillemets, responsable de ça, mais si c'est pas lui. Mais le premier blockbuster, c'est pas Les Dents de la Mer ou Star Wars, hein. C'est le parrain qui lance justement une nouvelle façon de distribuer les films. Alors, Evans n'était pas complètement responsable de ça. Il y avait un distributeur qui s'était... Mais bon, c'est quand même lui qui était à la tête un petit peu de l'affaire. Et donc, c'est à partir du parrain où là, en effet, ça commence à arriver un peu lentement. C'est en effet... plutôt 7 ans plus tard, voilà, les années 177, que il était peut-être pas arrivé, en fait, à ce niveau du bouquin, parce que toi aussi, tu l'as pas fini, t'as pas fait tes devoirs aussi. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ignorais totalement l'existence, mais en fait, dans le bouquin, il date l'arrivée de ce truc du blockbuster. Après, il faut vraiment préciser ça, parce que je pense que c'est pas clair dans la plupart de la tête des gens, mais avant, c'est vrai que les films sortaient dans les grandes villes, voire même juste à New York. 2 mois plus tard, il passait au Texas. 4 mois plus tard, il passait à Los Angeles. J'exagère complètement, mais on était sur une exploitation qui n'était pas du tout sur un instant T partout sur un territoire. Et en France, c'était d'ailleurs la même chose. Et en fait, il date, et d'ailleurs, j'ai oublié le titre du film, mais il y a un film qui est complètement inconnu maintenant et qui, par des coups de procès de son réalisateur, a eu connu une exploitation comme ça. C'est que le réalisateur avait, il me semble, exigé une sortie globale sur tout le territoire avec une com massive dans différents canards vraiment très porteurs. Et c'est un film qui, d'un coup, alors qu'il n'était pas très bon, a rapporté énormément d'argent et immédiatement. Pas énormément, mais en tout cas, tout l'argent est rapporté immédiatement. Donc forcément, dans une pure optique capitaliste, on se dit, putain, retour sur investissement immédiat, très très bien, cash flow, machin. Donc ça a lancé plutôt le truc. Et voilà, il y a des pages qui sont consacrées à ça dans le bouquin, qui sont passionnantes. Et en tout cas, voilà, ce bouquin en tout cas raconte cette période-là de gens qui sont complètement, qui essayent à la fois de faire
perdurer ce qu'ils ont aimé du cinéma américain, mais en le faisant coïncider un petit peu avec une nouvelle approche plus proche de ce qu'on a appelé un petit peu de la contre-culture, pour aller vite, et qui vont se faire un petit peu laminer quelque part par ce système-là. C'est un film qui... En sachant que, parce que Chinatown, c'est 74, hein, si je dis pas de bêtises, la même année, par exemple, que Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. C'est-à-dire qu'on est déjà, en fait, c'est un truc dont tu as souvent parlé, Jean-Baptiste Torret, par exemple. On est, même si c'est que 5 ans plus tard, on est déjà très très loin d'Easy Rider, on est très très loin de Bonnie and Clyde, ou de La Horde Sauvage, même si La Horde Sauvage, ça, en France, c'est déjà un peu le clou. Quoi. En 69, donc sort Easy Rider, c'est le film à petit budget qui rapporte beaucoup. 2 ans avant, c'était Bonnie and Clyde qui ouvrait un peu les portes à la fin de la censure, et ça coïncidait avec une contre-culture, tout le bordel. Sauf que la même année, t'as en effet le meurtre de Sharon Tate, plein de trucs, et tout s'écroule très très vite. En 70, il y a déjà plus cet espoir-là, et c'est vrai que tout ce qui se passe entre 69 et justement 75-76, parce que 75 c'est Rocky, si j'ai pas de conneries, et c'est pareil, ça change un peu la donne. Mais pendant ces 5-6 années là, en fait, il y a un cinéma américain qui continue d'être porté par des Robert Evans, parce qu'il sera pas le seul, et puis en plus il laissera, c'est lui aussi qui permettra notamment à des Coppola et autres de faire leurs films à petit budget à ce moment-là, des films comme Conversation secrète, tu vois, des petits films mais voilà, donc des films qui sont pas portés par le flower power, par une espèce de rêverie machin, c'est déjà des films qui sont conscients que la contre-culture justement va se faire attraper par l'économie ou des choses de genre, enfin voilà, des films qui sont pas niais, qui sont conscients de l'époque dans laquelle ils vivent, puis il y a le Vietnam, il y a plein de choses, mais qui ont quand même les moyens, en fait, c'est-à-dire qu'ils continuent d'être vus par le public les réclame, les producteurs continuent d'aider ces films-là, c'est des films qui sont pas non plus, qui coûtent pas trop trop cher pour le moment, c'est plus tard justement avec les Sorcerers, avec les Apocalypse Now, que là ça va partir les Portes du Paradis, qu'en effet les budgets explosent. Et que parce que les cachets des acteurs explosent, et cachets ça c'est des, pareil, le bouquin des revient acteurs, là-dessus. Enfin, c'est, voilà, c'est tout le budget d'un film, du coup, qui prend des dimensions pas possibles. Mais voilà, il y a pendant 5-6 ans, comme ça, par contre, tous ces réalisateurs qu'on connaît tous aujourd'hui, hein, qui sont voilà, considérés comme les grands, machin et tout, mais qui font leurs films quand même avec finalement entre guillemets assez peu de moyens, hein, parce que même Chinatown c'est pas un gros budget. Bah c'est vrai que je pense que oui, ça fait rire, je pense, enfin ça ferait rire aujourd'hui, en fait, voilà, quoi. C'est ça. Mais par contre avec des gens qui sont complètement investis constamment, et c'est vrai que là c'est un cas très très particulier, Chinatown, parce que on a affaire à 4 personnages qui misent gros en fait avec ce film là même plus que 4, hein, parce que c'est vrai que quand on tout ce qui est raconté sur par exemple les techniciens entre guillemets du film, le chef op ou le chef décorateur, la façon dont ils travaillent, moi je trouve ça excellent, enfin la façon dont le bouquin raconte la façon dont ces gens travaillent, c'est-à-dire qu'on rentre techniquement dans des approches de conception du film, pourquoi on choisit telle couleur, tel décor, tel objet, tel chef op, enfin voilà, il y a des choses comme ça que on aurait pas eu dans un bouquin de Biskin. Enfin, bref, des gens qui sont vraiment investis en fait, ce qui va se perdre énormément par la suite, parce que comme tu le dis, bah, l'économie prend le dessus encore. Là, les gens le font pas pour le plaisir. Et là, tu sens la passion. Moi, c'est pour ça aussi que je voulais m'attarder plus sur Evans, parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un, ou pour avoir lu sa bio, pour l'avoir. Voilà. Il y a un film qui est tiré de sa bio, mais qui est pas du tout intéressant. Il faut vraiment plutôt lire le bouquin. C'est quelqu'un, on sentait, voilà, il s'est trompé, et lui-même l'avoue dans sa bio plein de fois et tout. Coppola est très dur envers Evans, il estime que vraiment Evans a été un boulet pendant tout Le Parrain, mais je pense que Coppola a tort quelque part. Si Le Parrain est aussi bien, c'est aussi grâce à Evans. Il a admis à demi-mot parce qu'il a retravaillé avec lui plus tard, justement, quand il allait pas bien. Ils se sont retrouvés tous les deux, finalement. Oui, complètement. Mais ce qu'il dit Coppola, quand même, c'est que Evans était un boulet parce qu'il était trop exigeant souvent, quoi, en fait, et qu'il le faisait chier sur plein de détails. C'est quand même assez fou pour un film comme Le Parrain, qui est un peu un film parfait, que Coppola puisse dire après ça, il m'a fait chier sur des détails, quoi. Et c'est, en tout cas, voilà, et c'est vrai que bah pour parler plus de Chinatown, du coup c'est un film que j'ai beaucoup vu mais que j'avais pas revu depuis quelques temps, et c'est vrai que c'est ça reste un film vraiment vraiment fascinant là-dessus, qui est vraiment à part, hein, je trouve, dans le cinéma américain. C'est à la fois, c'est comme si c'était un film qui est vraiment le parangon d'un certain cinéma hollywoodien, enfin qui incarne complètement le cinéma américain, mais qui à la fois
complètement un petit peu à côté, qui est vraiment très étrange. Et t'as vraiment quelque chose. Pareil, hein, le bouquin revient un peu là-dessus sur la conception qui est immensément chaotique, alors que finalement, Chinatown donne quand même une sorte de sentiment de plénitude, quoi, de se dire que voilà. En tout cas, d'avoir une vraie finalité. Une vraie finalité. C'est bouclé. Ouais. Et quelque chose, non pas de carré, parce que justement, le film joue sur quelque chose d'un peu nébuleux. Chinatown, c'est un état d'esprit. Ouais. C'est quelque chose. C'est de l'autre côté, justement, on n'y va pas à Chinatown. C'est déjà une gageure de se dire, on a appelé le film Chinatown, quoi. Le bouquin revient beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que pour terminer, il revient beaucoup aussi, de toute façon, sur l'écriture du scénario, parce que il a longtemps été considéré que le scénario de Robert Towne était l'un des meilleurs scénarios jamais écrits. Le livre revient très longuement justement sur l'écriture laborieuse qui a duré des années d'un Robert Towne qui était incapable de terminer son scénario. En sachant que Robert Towne était du coup une sorte de star du ressembleur de scénario, quoi, tel que pour c'était employer Shane Black avant pour employer un peu le terme de même sans de, ça c'est un script doctor ouais. Le fait qu'il refuse certains projets et qu'il soit qu'il participe au parrain ou à d'autres projets comme ça, Bonnie and Clyde, Il était coté parmi les producteurs et du coup ce scénario-là à côté lui a rapporté beaucoup d'argent, même si du coup à l'époque de toute façon il était rincé, donc ça voilà, il n'était pas sur l'or non plus après. Mais le fait est qu'il a galéré, qu'il avait quand même un nègre pour bosser avec lui, que plus tard le scénario a été aussi écrit en partenariat avec Polanski. Donc finalement l'objet scénario de Chinatown, c'est pas un objet de Robert Towne, c'est vraiment un objet collectif. Voilà, ils étaient autour d'une table à dire tiens, il faut supprimer ça. Et ça lui a pris des années, il a jamais réussi à le finir tout seul ce scénario, mais il a quand même été considéré comme l'auteur du meilleur scénario jamais écrit, quoi. Ce qui est très étrange, alors que tout le monde quand il lisait son scénario disait on comprend rien, c'était proposé à des acteurs, on comprend pas de quoi ça parle, quoi. Il avait plein de projets, ça lui tenait particulièrement à cœur, il a lutté pour ce truc là c'est vraiment un projet qu'il a mené, et c'est lui qui a lutté aussi pour que ça soit mis à l'écran, mais il n'a pas réussi à le terminer. Mais ce qui est étonnant là-dessus, c'est pour ça que je trouve le bouquin assez génial, parce qu'il a mis le doigt, en tout cas dans son histoire de la conception, la genèse de ce film, sur quelque chose que je ressentais moi du bouquin, c'est de me dire c'est que c'est vraiment un film Robert Towne voulait écrire quelque chose sur Los Angeles et sur cette idée que j'évoquais plus tôt, sur cette sorte de rêve perdu qui n'a jamais existé de toute façon. Et à travers une sorte de... Et c'est vrai que quand on regarde le film, c'est un film policier impeccable, je veux dire, Chinatown. Enfin, je veux dire, c'est de A jusqu'à Z, il y a une mécanique totale. Et ça, c'est plutôt le boulot de Polanski, de ce qu'il dit le bouquin. C'est qu'à un moment, c'est vraiment carré, ça va de jusqu'à Z. On est vraiment dans ce rapport très polanskien de la machination, quelque part, de quelque chose de très méthodique, de ce fameux truc qui tire les ficelles. Voilà, moi, ce que j'aime d'ailleurs souvent, pas trop dans le cinéma de Polanski, mais il y a ça. Et il n'empêche que tout ce que évoque dans son bouquin, tous les réflexions de Robert Towne, de ce qu'il veut dire, et c'est complètement souterrain dans le film, et tu le ressens à fond. C'est travaillé complètement par cette idée-là, alors même que j'imagine que toutes les circonvolutions littéraires et scénaristiques qui étaient présentes dans son scénario original, qui apparemment était imbitable et qui aurait donné un film de 6 heures, l'esprit est complètement là. Je pense qu'il y avait un très bon esprit, ce qu'il voulait faire, son désir était très bon, et on le retrouve. On le retrouve de façon cinématographique, c'est parfait. Ouais. Pour terminer, c'est vrai que Robert Towne, moi j'ai souvent considéré que c'était l'un des types les plus surestimés, l'un des plus surestimés du cinéma américain. Je lui en ai énormément voulu pour son adaptation de Demande à la poussière, qui est citée d'ailleurs dans le bouquin. Ça a été une révélation pour lui, pour la façon dont notamment les gens pouvaient se comporter dans les années 30. C'est un bouquin qu'il a découvert justement dans son travail de documentation. Au niveau des recherches, parce qu'il faisait plein de recherches, il voyait des films, et dans tous les films américains de cette époque-là, les gens parlaient d'une certaine manière qui était très hollywoodienne, et il sentait bien que c'était pas comme ça que les gens parlaient ou se comportaient à l'époque. Et c'est en lisant Demande à la poussière de John Fante qu'il s'est dit non, mais voilà, c'est comme ça qu'ils étaient les gens à l'époque, en fait. Et donc, c'est le meilleur bouquin qui existe au monde. Oui, bien sûr. C'est un choc. C'est le bouquin qui a fait pleurer Bukowski aussi, qui a aidé Bukowski à écrire. Et je conseille à tout le monde de lire Demande à la poussière, comme tout John Fante de toute façon. Pas forcément regarder les adaptations. Il y en
a eu quelques-unes par Yvan Attal par exemple. Oui. Je dis ça, je l'ai pas vu, ça se trouve c'est pas non, mal, c'est nul fait, à chier. Mais par contre, voilà, justement il y a une dizaine d'années, 15 ans peut-être maintenant d'ailleurs, Robert Towne a adapté au cinéma ce livre. Ce qui est extrêmement douloureux à regarder, en fait. Je sais que c'est un bouquin qui lui tient à cœur, je sais que c'était important, qu'il y a mis énormément de moyens, qu'il y a passé du temps. Il a recréé tout le quartier de Bunker Hill en Afrique du Sud parce que le quartier a disparu. Mais c'est un cauchemar à regarder. C'est vraiment un cauchemar. C'est... Il n'a aucun talent de metteur en scène, hein, je pense. Et je pense que son grand talent, c'est en effet ses envies. Il a une capacité en fait, de script doctor. Il a des révélations, sans doute. En fait. Mais par contre, de mener un projet de A à Z à bien, je pense pas qu'il en était capable. Sachant que Robert Towne est toujours vivant, me semble-t-il. Ouais. Il a tourné aussi un film avec Mel Gibson, d'ailleurs. Ouais, Tequila Sunrise. C'est le script doctor attitré de Tom Cruise, par exemple. Enfin, plus maintenant, il me semble, mais en tout cas, ça a été longtemps le script doctor attitré de Tom Cruise, celui qui intervenait. Qui a bossé notamment sur Jour de tonnerre de Tony Scott. Il a été remplacé jusqu'à il y a peu par Christopher McQuarrie. Il a fait un peu n'importe quoi aussi sur Jour de tonnerre, mais il jouait encore de cette réputation de Chinatown qui l'a suivi pendant très très longtemps et qui lui a permis en fait de faire pas mal de choses à Hollywood par la suite en fait. Il est temps malgré tout de passer quand même pour qu'on parle un petit peu ensuite de Richard Fleischer, mais je rappelle donc The Big Goodbye Chinatown et les dernières années d'Hollywood de Sam Wasson est sorti en livre chez Carlotta et pareil sur la plage ça fonctionne, c'est très, très exceptionnel. Ou dans la cabane dans la forêt, encore une fois on fait une courte pause, justement un extrait de Chinatown, et puis on parle juste après un petit peu de Richard Fleischer. God! It's a nasty cut. I had no idea. Oh, sorry. There. Is it painful? Must be painful. What's wrong? Your eye. What about it? What? Something black in the green part of your eye. Oh, that. It's a flaw in the iris. Flaw? Yes. It's a sort of birthmark. Everybody that works there. Where? Chinatown, everybody. To me, it was just bad luck. What? You can't always tell what's going on. Like with you. Why was it bad luck? I was trying to keep someone from being hurt. I ended up making sure that she was hurt. Cherchez la femme. Was there a woman involved?
course. Donc un extrait de Chinatown de Roman Polanski, rapidement, puisqu'il nous reste assez peu de temps. Oui, Antonin, pendant l'extrait, me disait à quel point il aimait... Bon, bref. Une autre sortie très importante quand même, parce que ça faisait longtemps qu'on aurait dû avoir ça sous nos yeux, c'est l'autobiographie, les mémoires de Richard Fleischer, qui sortent chez Marest Édition, édition reconnaissable au vert de sa couverture, qui ressemble au vert de mon pull. Je dis ça à tout, l'intention de tous les auditeurs qui n'auraient pas la couleur. Tant pis pour tous ceux qui s'en foutent de la couleur de mon pull. Mais voilà, Marest Édition qui nous avait déjà traduit l'autobiographie de John Boorman il y a assez peu de temps finalement. Et là, c'est un bouquin qui a été écrit en 93, qui a été traduit par Survivre à Hollywood. Titre original, c'était Tell Me When to Cry, je crois, qui était la réplique d'une actrice. Qui est la dernière ligne du bouquin, d'ailleurs. Voilà, qui est la dernière ligne du bouquin, hein, qu'une actrice, une vieille actrice avait dit à Richard Fleischer. Voilà. C'est très, très beau, d'ailleurs. Qu'a l'avantage, je dis très rapidement, parce que ça m'a plu quand même, d'avoir une préface. Et pour le coup, la préface m'a été très, très utile. Je pouvais attendre pas mal, moi, de l'autobiographie. Je savais pas du tout ce qu'il allait raconter là-dedans. Je sais qu'il y en a certaines qui n'ont pas encore été traduites. Hein. Je pense à Michael Winner ou Don Siegel, qu'on attend encore traduites, qui visiblement sont pas excellentes. Hein. Mais bon, ça serait intéressant à lire quand même. Celle-ci, j'en avais assez peu entendu parler. Je savais que ça existait, mais je savais pas du tout à quoi ça allait ressembler. Et la préface, tout de suite, m'a enlevé quelques espoirs, entre guillemets, et m'a dit non, ça parlera pas de Mandingo, ça parlera pas des flics de N'aime pas la nuit, ou d'autres films donc comme ça de Fleischer qu'on peut considérer comme ses meilleurs aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, ça fait partie, ces deux-là, par exemple, de mes films préférés. Donc dès la préface, on me dit non, ça va pas parler de ça, mais tout ce qu'on va te raconter là-dedans, tu vas voir, c'est merveilleux. Et c'est vrai que c'est absolument merveilleux. C'est une accumulation, enfin c'est une suite de portraits qui vont suivre un peu la carrière de Richard Fleischer depuis les années 40 jusqu'aux années 70 malgré tout, même si ça arrête justement un petit peu avant ces quelques films des années 70 que moi j'apprécie énormément. Mais on va plonger en fait non seulement dans le fonctionnement des studios américains de cette époque-là, les années 40, 50, 60, voire l'évolution des studios, des différents studios avec lesquels il a travaillé d'ailleurs. De son exil européen aussi. C'est ça, de son exil européen. Donc différentes façons de travailler, ce qui est assez fascinant parce que même s'il y a pas mal de livres qui existent en France, hein, d'ailleurs d'autoportraits, d'autobiographies de cinéastes du début hein, des années 20, 30, 40, je pense à Frank Capra ou à King Vidor, elles sont disponibles, hein, je les conseille activement, sur la création d'Hollywood et puis le début des studios justement de son fonctionnement, de quelqu'un qui rentre dedans comme ça et puis qui croise des gens qui sont déjà entre guillemets des légendes puisque les portraits qu'on va avoir c'est tout de suite les Zanuck, les Walt Disney, les Howard Hughes, les Orson Welles, des gens qui voilà quand Fleischer les rencontre ce sont déjà justement des légendes, il a déjà une idée de ce que sont ces gens et il va se confronter en fait à une réalité, à quelque chose d'extrêmement concret et un travail avec eux. Et ce portrait-là, je trouve, tout en nuance justement, est très très bien amené toujours par Fleischer qui écrit très très bien, il est très drôle, ça démarre justement avec du coup... La première phrase du bouquin est voilà, John Wayne n'a pas encore chié, parce que c'est le premier portrait, c'est sa rencontre avec John Wayne, c'est sa découverte des studios hollywoodiens. Quand il débarque à Hollywood, il apparaît, il est sur le tournage d'un film de John Wayne et c'est ce qu'un assistant dit, voilà, on attend que John Wayne ait fini de chier pour pouvoir tourner. Alors que le producteur est fou de rage parce que justement tout le monde est en train d'attendre, personne et ne fait payé. Rien sur le plateau, ils sont là à payer à rien foutre parce que John Wayne n'a pas encore fait caca et qu'on peut pas tourner avant. Ça va être des choses comme ça, des portraits qui sont... Donc, comme je le disais, il a déjà une image de ce que peuvent être ces grandes figures avec lesquelles il va travailler, Mitchum, Kirk Douglas, n'importe quoi. Mais voilà, il va rentrer après dans le vide. Voilà, comment j'ai travaillé avec eux, comment j'ai tourné les Vikings, comment j'ai tourné 20 milieux sous les mers, dans quelles conditions j'ai pu faire tout ça en fait. Et ça offre à la fois un portrait de lui, de sa façon dont il va travailler. Et c'est vrai qu'il va répondre à des projets. C'est un réalisateur de studio, Fleischer, on en a déjà parlé, mais des projets, il va faire de son mieux pour les faire tel qu'il les perçoit, tel qu'il a envie de les faire, mais qui doit quand même travailler avec des figures qui sont terrifiantes quelque part en fait, et qui surtout ont le pouvoir. Qui sont monstrueuses en fait, mais voilà. Au sens noble du terme. Oui, ouais. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'il le montre d'ailleurs, ouais, je crois. Hein, c'est ça. Il y a quelque chose de finalement de quelque part de naturel là-dedans. Et
c'est vraiment, c'est à la fois touchant, beau, et puis on est vraiment dans le cœur du travail, justement, ouais, des studios, et comment aussi, finalement, à la fin du bouquin, comment il va parvenir, lui, à faire ce qu'il a envie de faire, malgré, justement, ses pouvoirs au-dessus. C'est un témoignage, moi, je trouve super précieux, en fait, de cette façon de travailler au sein de budgets en plus de plus importants. On parlait de blockbuster tout à l'heure. Là, justement, on va rentrer là-dedans quelque part, même si c'est pas encore dans cette économie-là. Mais quand il fait 20 milieux sous les mers, d'un coup, paf, il travaille à Walt Disney, ça le propulse au rang des séries A, tu vois. Et ça reste son objectif. Mais c'est marrant parce que on vous renvoie évidemment sur les émissions qu'on avait consacrées à Richard Fleischer il y a quelques années. Mais c'est vrai que c'est un auteur assez particulier parce que justement, il a jamais été considéré comme un auteur et effectivement on se rend compte que c'est quand même quelqu'un qui a une vraie œuvre et qui a des films extrêmement différents et souvent très 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 réussi. Évidemment moi je mettrais Mandingo au top parce que là tu te dis bah oui c'est du Paul Verhoeven avant l'heure, c'est un truc de fou furieux, mais c'est quelque chose. On se demandait, on se posait la question, comment ça se fait que ce type là n'a jamais été considéré aux côtés de types comme Lang, Hawks ou Wilder, Wyler et compagnie, comme des grands noms du cinéma américain. Et ben à la lecture de ce bouquin-là, moi j'ai l'impression que tu comprends en fait quelque part. C'est que chez lui, je pense que c'est la force, c'est l'immense force et aussi la limite de ce bouquin, c'est que se dire ce type est d'une humilité absolument incroyable. Et c'est, je le dis évidemment, on pourrait prendre ça pour une qualité. C'en est une, mais c'est aussi une grosse limite. C'est, tu dis, c'est une limite du bouquin d'ailleurs aussi, et une limite pour lui en tant que cinéaste, c'est qu'on se dit, mais c'est incroyable à quel point ce type-là, on sent qu'il a été spectateur de tous les grands monstres qu'il a côtoyés, tous les plus qu'il grands, se met vraiment toujours en retrait du truc, qui te parle avec une sorte d'objectivité totale de tous ces types-là, des trajets extrêmement diplomatiques, c'est ce qui fait, je pense, comment le cœur. Exactement. En fait, c'est vraiment le cœur de son livre, c'est ça. C'est comment dompter les monstres à qui j'ai eu affaire, en fait. Les gens absolument géniaux tels Walt Disney, Orson Welles ou Douglas, des gens qui ont un génie, une sorte de force, ce truc qu'on pourrait, se qualifier de sorte de force indomptable qu'il décrit très très bien, et qu'il décrit très très bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Il en fait des portraits formidables. Et tu te dis, mais en fait, on sent qu'il a une sorte d'humilité dans le sens où il se dit, bah moi, je suis le professionnel. Le mec qui doit dompter ces gens-là, et alors que concrétiser leur désir quelque part. En fait, et alors que quand tu regardes les films, tu dis mais là la déception que moi j'ai pu ressentir devant la lecture de bouquins que j'adore par ailleurs, mais tu dis ouais mais quand même t'as réussi à faire des trucs de taré. Tu reviens pas sur toi. En fait, tu n'as pas fait ça. Et donc du coup limite de cette humilité là quoi. Mais c'est en tout cas c'est un témoignage incroyable sur comment être un travailleur à Hollywood des années 40 aux années 70. Bon, sachant qu'il continue 80. Après, mais voilà, c'est vrai qu'il revient assez peu. On parlait des films dont on parle à mi. Le livre se termine par des chutes, c'est quelques anecdotes qui ne sont pas les trucs les plus intéressants où il va mentionner justement un petit peu ces films-là, mais sans revenir sur la création. C'est vrai que par contre, il passera un peu plus de temps sur les portraits de Walt Disney, de Ward Hughes ou de Kirk Douglas. C'est des choses merveilleuses, en sachant que Kirk Douglas, en plus, il a tourné plusieurs films avec lui. Il a lui-même, Kirk Douglas, écrit justement sur cette cohabitation. Je trouvais ça fascinant d'avoir le retour de Richard Fleischer sur sa collaboration. Et le portrait, par exemple, c'est juste un exemple, parce que tous les autres sont un peu de cet acabit-là. Le portrait qu'il fait de Kirk Douglas, qui est à la fois un personnage impossible, en fait, à supporter, imbu de lui-même, constamment fasciné par sa propre image, qui fait chier tout le monde sur le plateau. Et en même temps, en effet, qui a une énergie qui dégage quelque chose de tellement fascinant qu'en effet, pour le cinéma, c'était merveilleux, en fait. C'était une chance incroyable de pouvoir travailler avec ce bonhomme-là. Quoi. Ouais. Et c'est un peu ça qui ressort aussi. C'est, en effet, il travaillait avec des monstres.
Mais ces monstres-là, ils ont quelque chose à apporter tous. Ouais, en fait. Complètement. Et ça, c'est, enfin, ça donne un portrait d'Hollywood qui est vraiment un pays où voilà, les monstres sont les bienvenus. Et c'est marrant parce que en lisant en ayant lu la bio de Douglas et aussi celle que I Am Spartacus, qui était un extrait de cette bio ou un truc à part. C'est un truc qu'il a rajouté par-dessus. Et, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai adoré lire ça, les trucs de Douglas. Mais là, ça respire la fausse humilité. Ça, c'est, on sent que c'est un truc où le mec réécrit sa propre légende et ça, les moments qui pourraient passer pour de l'humilité, tu te dis ouais, c'est complètement faux. Et de toute façon, ça se voit quand tu vois n'importe quel film de Kirk Douglas que le mec est complètement imbu de lui-même. Oui, mais il ce avait qui n'est pas un problème faire. Parce non, que de toute façon, c'est taré la présence de cinéma qu'il a eu. Et c'est vraiment deux attitudes complètement contradictoires et les deux en fait forment complètement Hollywood. Les salaryman hollywoodiens tel Fleischer qui sont des artisans et puis des artisans honnêtes et des artistes sincères et en fait qui ont une humilité incroyable et qui ont affaire à des mecs qui ils font décoller le truc quoi de toute façon quoi. Donc là c'est un gros gros plaisir, ça se lit pareil, c'est un truc que t'as envie de tourner les pages. Survivre à Hollywood de Richard Fleischer, c'est chez Marest Édition. Il est temps de se quitter, malheureusement on a déjà dépassé notre horaire. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci encore une fois aux spectateurs qui sont venus pour la séance de The Wicker Man à l'arbre, c'était un gros succès, on était ravis pour ce retour des séances du dimanche soir de vous avoir aussi nombreux, donc merci encore à tous les spectateurs qui sont venus à l'Arvor, on reviendra à la rentrée bien évidemment, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Canal B et puis le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise, Instagram et tout le tremblement, c'est merveilleux le travail que tu peux faire. Insta 5 grammes. On se quitte avec un dernier extrait de Chinatown. À très bientôt, merci. Ciao. Des bisous. You want to do your partner a big favor? Take him home. Take him home! Just get him the hell out of here! Go home, Jake. I'm doing you a favor. Come on, Jake. Forget it, Jake. It's Chinatown. All right, come on, clear the area. On the sidewalk. On the sidewalk.